Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ est venu nous révéler la miséricorde du Seigneur. Aussi, c'est avec confiance que nous nous en remettons à cette miséricorde. Reconnaissons, en commençant cette Eucharistie, que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gracias, agimos divini.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, chaque fois qu'ils pensent à elle. Elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyants, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Peut-être cet évangile nous met-il mal à l'aise. En effet, comment se fait-il que les portes du royaume soient fermées? Comment se fait-il que ces vierges, même imprévoyantes, puissent se retrouver à la porte sans pouvoir entrer? Cela peut-être nous trouble et peut-être même nous choque, nous qui avons été bercés par cet hymne universaliste et benoîtement présomptueux que nous avons entendu depuis les années 70, on ira tous au paradis, même moi, qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas. Et voilà que les portes du royaume se sont fermées. Mais qu'est-ce à dire? Le royaume de Dieu serait-il comme le TGV? Vous savez, le TGV, en principe, il part à l'heure. Et si vous, vous n'êtes pas à l'heure, eh bien, vous restez sur le quai. Pourtant, rien n'est plus simple que d'attraper le TGV. Il suffit de partir à temps. Il suffit de prévoir tous les aléas qui peuvent nous arriver sur le chemin qui mène à la gare. Mais il arrive que nous partions trop tard. Il arrive que nous ne prévoyons pas assez de temps. Il arrive surtout aussi que nous ne soyons pas vraiment motivés. Alors la question qui se pose, me semble-t-il, c'est est-ce que le royaume de Dieu nous importe vraiment pour que nous puissions effectivement partir à temps, pour que nous puissions l'intégrer dans nos existences, car en fait, si nous n'avons plus de temps pour la messe, si nous n'avons plus le temps de prier ce moment d'intimité avec le Seigneur, où le Seigneur lui-même forme nos cœurs et nos intelligences, cela veut dire que nous avons trop de préoccupations ou trop d'occupations. Ça veut dire surtout que le royaume de Dieu est subalterne. Alors forcément, eh bien, il passe après.
après tout ce qui nous occupe. Et voilà comment on peut rater le coche. Peut-être connaissez-vous cette phrase de Colbert, le ministre de Louis XIV, sur son lit de mort, qui s'exclama « Ah, si seulement j'avais fait le quart pour Dieu de ce que j'ai fait pour le roi, je mourrais heureux. » Est-il possible de rater sa vie? Est-il possible de rater sa vie éternelle? Et pourtant, s'il est facile d'attraper un TGV, il est aussi facile de rentrer dans le royaume de Dieu, car nous l'avons entendu dans la première lecture, la sagesse, elle se laisse contempler aisément. Et puis le psalmiste qui a soif de Dieu, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » Voilà peut-être ce qui peut nous motiver. Est-ce que notre cœur désire vraiment la rencontre avec Dieu? Et voilà que le psalmiste peut dire « Je t'ai contemplé au sanctuaire ». Aussi, le royaume des cieux est très simple à trouver. Encore faut-il que nous en ayons le désir. Et cette huile dont il est question, mais nous savons bien que dans ces lampes à huile, il faut renouveler la mèche et l'huile. Mais qu'est-ce que cette huile pour nous? Cette huile, me semble-t-il, c'est la grâce divine, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce se donne en abondance à tous ceux qui veulent bien la recevoir. Elle se donne à tous, sans exception. Elle se donne, bien sûr, dans tous les sacrements. Elle se donne aussi dans l'intimité d'une vie avec Dieu, d'une vie où cette intimité est présente de manière conséquente. Alors Dieu donne ses grâces en abondance et nous façonne. Mais si nous n'avons plus de temps pour recevoir le don de Dieu dans les sacrements, si nous n'avons plus de temps à passer avec lui, alors forcément il n'y a plus d'huile. Cette grâce de Dieu qui est donnée, elle n'est pas reçue. Et voilà au fond ce qui est triste, il n'est pas besoin d'aller chez le marchand pour trouver cette huile, il suffit de la recueillir quand Dieu la donne. Car nous avons une espérance. C'est vrai que nous investissons beaucoup dans cette vie terrestre, au fur et à mesure de nos âges successifs. Nous ambitionnons l'âge suivant. Quand nous sommes petits, nous rêvons d'être grands. Quand nous sommes grands, nous rêvons d'un métier formidable. Quand nous avons un métier formidable, nous rêvons de retraite. Et quand nous sommes en retraite, à quoi rêvons-nous? Peut-être il serait temps de voir un peu plus loin que le bout de sa vie terrestre. Nous avons un message d'espérance et saint Paul, dans la deuxième lecture, nous le révèle. Nous ne pouvons pas être comme ceux qui sont sans espérance. Le Christ est ressuscité, nous le croyons, et s'ouvre devant nous une vie extraordinaire. Cette vie sur la terre nous permet de grandir, de croître et de nouer des relations qui doivent être fondées sur l'amour, comme nous l'a demandé le Christ. Et c'est parce que nous avons réussi à fonder ces relations sur l'amour que nous pouvons commencer à entrer dès à présent dans le royaume de Dieu. Mais le voulons-nous vraiment? Voilà ce message que nous, chrétiens, nous avons à apporter. Car si nous n'avons rien à dire sur la mort, si nous n'avons rien à dire sur la vie éternelle, si nous n'avons rien à dire sur la résurrection du Christ, alors, mes frères, il vaut mieux se taire. Mais nous avons quelque chose à dire. Le message chrétien, c'est bien que le Christ est mort, mais qu'il est ressuscité. Et voilà pourquoi nous n'avons pas peur d'investir dans ce royaume de Dieu. Nous savons que les portes sont ouvertes et qu'elles ne se refermeront pas sur ceux qui l'attendent vraiment. Alors ce message nous est donné ce soir pour que non seulement nous le gardions pour nous, mais que nous puissions le partager avec tous nos frères, puisque notre mission de baptiser, c'est bien d'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que la vie de Dieu a vaincu la mort terrestre par la résurrection du Christ. C'est que l'amour de Dieu a vaincu la haine que nous voyons se déployer partout.
Ce message, c'est le message chrétien. Il est à vous, mes frères, et c'est à vous de le partager.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. En célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant,
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant mémoire de ton de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tu as aimé à tout l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance de toi, ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais dis seulement une parole.
Chers amis, au programme de la semaine, vous retiendrez particulièrement que vendredi 11 novembre, nous fêtons bien sûr Saint-Martin, que nous prions bien sûr aussi pour tous les défunts de la Grande Guerre et qu'en particulier a lieu à 15h dans la cathédrale la commémoration britannique de l'armistice et que ce même vendredi 11 novembre à 10h a lieu dans la cathédrale une messe présidée par Mgr Emmanuel Lafon, évêque de la Guyane, concélébrée par Mgr Méranville, archevêque de Martinique, et Mgr Hameau, administrateur de la Guadeloupe, messe où sont spécialement invités tous les membres des communautés antillaises présents en métropole. Donc vendredi 11 novembre à 10h, que tous les jeunes étudiants et jeunes professionnels d'Île-de-France retiennent également la messe annuelle des étudiants le 15 novembre à 19h15. Prions ensemble. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve.